Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'étais avec des grands frères. Je les écoutais parler. En gros, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup d'erreurs dans votre vie, mais l'erreur de penser que le garçon est bête, là, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Souvent, vous avez un pointeur qui est là, mais vous sortez avec un gars. Tellement tu n'es pas fond du monsieur, là. Tellement le gars là même tu n'as pas envie de le sentir. À chaque fois que tu l'appelles, c'est que tu lui demandes l'argent. À chaque fois que tu l'appelles, puis qu'il ne te donne pas l'argent, tu te fâches, tu l'insultes, tu cries sur lui. Pour l'envoyer, mais pour l'appeler, même là, tu l'as appelé, il n'a pas décroché, tu cries sur lui. Il est là, tu as l'impression que il est bête. Ou bien il y a plein de choses. Vous savez déjà de quoi je parle. Plein de choses. Tu as l'impression que le gars, il est bête. Garçon mal intelligent. Garçon qui fait sortir son nom pour te donner là. C'est qu'il sait à toi, il a envie de donner. Tout ce que tu lui fais là, lui, il ne voit pas ça. Hein. Son côté où lui, il est fond de toi là. C'est ça seulement lui voit. Hein. Sinon, tout ce que tu fais, il voit. Ou tu le prends pour bête, ou tu as besoin d'argent, tu l'appelles, tu lui demandes l'argent. S'il ne donne pas, tu t'effaces, etc. Il voit ton comportement là. Seulement comme lui, il est fond de toi là, lui, il ne calcule pas. Mais le jour, tu n'as pas à savoir que lui, il est intelligent, jusqu'à ce qu'il ferme sur toi. Ou tu penses que lui, là, je ne peux jamais lui demander quelque chose, il va refuser. Il ne sait pas pour qui et puis il va refuser là. Quand ce jour-là arrive comme ça, tu es dégoûté. Et puis en général, je vous explique, en général, comment ça se passe d'abord? Il y a le revers de la médaille. Tu es le gars, non? Un jour comme ça, tu lui demandes l'argent. Tous les jours, tu lui demandes l'argent pour faire les bêtises de donner. Un jour, tu lui demandes l'argent pour faire un truc important. Et puis il sait que c'est. Et puis il sait que. C'est quelque chose d'important qui te tient à cœur. Il va te dire, d'accord, il n'y a pas de problème, je te donne ça tel jour. Toi, tu as assis, ou il te dit, demain, je te donne. Toi, tu as assis, tu attends le jeton, tu attends l'argent, tu attends le poi. C'est là maintenant, le gars va commencer à se faire comme ça. C'est là maintenant, le gars va commencer à se faire comme ça. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pardon. C'est là maintenant, là, tu es obligé d'être un peu douce. Façon, tu as crié fatigué depuis, elle n'a pas encore donné tes mains. Si tu as besoin maintenant d'être un peu douce pour demander d'une manière, doucement, doucement, pour ne pas qu'il sente trop que tu cries sur lui, pour ne pas. Maintenant, tu commences à te poser des questions. Ah, est-ce que le gars là, c'est parce qu'il faisait comme ça, que lui, il m'a jamais refusé comme ci, comme ça. Garçon n'est pas bête, hein. Garçon est mal intelligent. Il te donne s'il a envie de te donner. Toi, il faut faire ce que tu veux. Mais du moment où lui, il est fond de toi encore là, lui, il est fond de toi là, tout ce que tu fais, lui, il voit pas, hein. Mais c'est le jour où il va décider que c'est bon comme ça, trop c'est trop. C'est là que tu as compris que, hé, garçon, garçon. En fait, souvent on a l'impression que c'est eux qui sont bêtes, mais c'est nous, on est bêtes en fait. Quelqu'un dit, on t'enlevait de sa côte. Tu as pensé que toi, tu es intelligente que lui. C'est le sentiment qui fait souvent. Et souvent, là, c'est parce que souvent, il y a sentiment, souvent, il y a coton. Il a envie d'enlever ton caleçon. Il est trop gamé. Donc, il t'écoute même. Tout ce que tu dis là, lui t'écoute. Tout ce que tu fais, lui t'écoute. Mais là, au fond, lui, il sait. Est-ce que lui, c'est un enfant? Est-ce que lui va acheter le loco à la pharmacie?